Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se capte pour les premiers numéros de Instant Star sur Afro Congo TV. À la base, je vais juste vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube Afro Congo TV, mais également de nous suivre sur notre Instagram Afro Congo Media. Aujourd'hui, dans les premiers numéros de Instant Star présentés par moi, Calvin Mulungu, j'ai l'honneur de recevoir une star, bien sûr, gomatracienne. Si du moins je la définis par son nom. Et voilà, elle est victorieuse. Victorieuse parce qu'elle est déjà passée dans beaucoup plus de compétitions. Elle a bien sûr participé dans beaucoup plus de festivals. On peut dire qu'elle est victorieuse, mais également optimiste. Oui, c'est vrai, parce qu'elle croit toujours à un avenir meilleur. Dit-on qu'elle a l'amour dans son cœur. Love. L-O-V-E. Love dans son cœur. Et pour ça, les fans l'appellent Diva. C'est vrai que c'est la Diva. Et moi, je l'appelle la Diva supérieure. Parce qu'elle est intelligente et on reste sur cette intelligence, même dans ses chansons. Et aujourd'hui, elle est vraiment élégante. On va la rencontrer parce que c'est notre invité du jour. Voilà, l'artiste est déjà avec nous, Voldy Mapenzi. Oui, Calvin. Je pense que vous avez une idée sur la petite définition de votre prénom. Est-ce que vous avez adoré ça? Mon prénom, moi, ouais. D'origine Voldy. Oui, bien sûr. Oui, j'aime bien. C'est mes parents qui me l'ont donné. Donc, ouais. Alors, Voldy Mapenzi, déjà votre actualité, c'est votre bien sûr, Maxi Single que vous êtes en train de préparer, ouais. Et qui va sortir déjà ce 31 décembre. Ça se passe comment déjà les préparations? En tout cas, on est dans plein préparation. Mmh. Moi, je dirais plus dès la sortie, puisque tout ce qu'on a à faire, les enregistrements, les œuvres sont déjà là, ouais. Disponibles. Pas disponibles pour téléchargement ou quoi, mais tout est prêt. Tout était question juste de mes distributeurs qui ont voulu récaler un peu, donner vie à cette belle œuvre. Ça commencera justement vers le 31 décembre, comme d'accord. Ça, toute l'année 2021, on sera en train de savourer à la voilà, Maxi alors Single. On va y aller avec une petite rubrique qui s'appelle Biotacle, d'accord. On parle un peu de ta biographie et du coup, faut pas dire oui, faut pas dire non. Ah ok, ça voilà. Va. Voilà, déjà vous étiez né le 17 mai 1992, bien sûr, au nord Kivu. Je crois oui. Kivu. Non, là j'ai dit oui. Biotacle, ok, je crois. Si je n'étais pas là. Ah ouais, ouais, bien sûr. Alors déjà, il y a déjà des conditions. Et déjà, c'est quoi les grands souvenirs que vous gardez de votre village natal? Les grands souvenirs, je suis venue de là, j'étais trop jeune. Et tout ce que je sais, que c'était paisible, il y avait la nature un peu partout. Et c'était beau, il faisait beau y vivre. Quoi. Et déjà en 2006, tu avais créé un groupe avec tes collègues. Oui, oui, les collègues du lycée. Voilà, tu gardes toujours de bons souvenirs de ce moment-là. Je garde de bons souvenirs. D'ailleurs, récemment, on a créé un groupe encore comme ça, WhatsApp, où des filles me rappellent, me disent, ouais, on vous le dit, carrément, tu as réalisé ton rêve là, on est en train de te voir et tout. Bon, c'était vraiment un rêve d'enfant. Ouais. Au départ, c'était juste un rêve de star et tu étais là. Et moi, je me dis, je suis en train vraiment d'y aller. Quoi. C'est un bon souvenir, voilà. Un moment vraiment crucial de ma carrière voilà. Actuelle. Et voilà, votre maxi single porte le nom de Neuf. Neuf qui a beaucoup plus de signification. Mais est-ce qu'on peut avoir juste une seule signification de Neuf pour avoir juste une petite idée? L'aperçu de Neuf, pour moi, oui. C'est vrai que ces chiffres signifient. Ah, là, toi, tu dis, moi, je croyais que c'était, on avait dépassé déjà. Ah non, on n'a pas fini. Alors, vous allez terminer cette explication, comme ça, je vais donner une condition. Ok, super. Et neuf, pour moi, signifie juste la fin d'un cycle et le début d'un autre. D'accord. Parce que pour moi, dans ma carrière et même dans ma vie, moi, je me dis que j'ai vraiment franchi une étape importante qui m'accueille vers la grandeur dont je suis destinée à vivre. Ah d'accord. Alors là, je vais donner mes deux conditions, pas trois, mais juste des comme ça. Et voilà. Déjà, la première condition, vite fait, Voldy peut un peu déformer un peu son visage. Déformer mon visage. Pour qu'on puisse pas la reconnaître. Ah ouais. Je sais pas trop. Si pas, pas mal, pas mal. Et du coup, deuxièmement, la condition est vraiment facile. Un peu du rap, juste nous faire un peu du rap. Dans,
de 30 secondes. Ok, 30 secondes, c'est pas assez. Je dois finir mon refrain de rap alors. D'accord. Ça, c'est un rap que j'ai fait au lycée. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, c'était en 2014 ou quelque chose. Et moi, je rappais comme ça. Ok, petit peu de rap. À toutes les lycéennes, à vous toutes qui êtes des reines, cette journée est pour vous, c'est alors un grand rendez-vous, femme. T'es la précieuse, faut pas que tu sois soucieuse, flamme. T'es la plus belle, symbole d'Ine Isabelle, belle, la reine de tous les temps, les respecter doit à notre temps. Quand t'es sœur, t'es la reine de... Ah, quelque chose. Quand t'es mère, t'es la reine de maternité, la reine de toute la cité. Et quand t'es sœur, t'es la reine d'hospitalité. Quand t'es chanteuse, comme Voldy, t'es la reine de mélodie. Tu chantes la femme, la flamme, la reine de toutes les âmes. T'inquiète pas, faut pas que tu sois en larmes. Oh, t'es chaude. Excuse-moi. Alors, on va y aller avec des petites questions un peu rapido. Et du coup, je veux savoir la première chose. Est-ce qu'il y a une prière que Dieu t'a répondu ces derniers temps? Juste une prière. Là, je dois pas... Là, on a fini avec la biothèque. Hein. Oui, on a fini. Oui, bien sûr, il y a une prière que Dieu m'a répondu. Mm-hmm. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Et tu veux que je dise cette prière? Oui, bien sûr. Ah, une belle rencontre, en fait. Ah, ouais. Ça s'est passé très sans bien. Beaucoup de détails. Oui, d'accord. Une belle rencontre. Et puis, je voulais savoir une chose. Quelle chanson de Goma en train de tourner ces terres dans ta tête? À toi, Ngaïke, tout comme à mon ville. Il y en a beaucoup, en fait. Voilà, c'est la première qui tourne la déjà. La première qui est venue comme ça. Ah, d'accord. Et c'est pas. Et quelle erreur que tu regrettes, une erreur faite dans le passé que tu regrettes pour le moment? Bon, je dirais, je n'ai pas vraiment l'habitude de regretter, mais ce que je dirais, une erreur que je regrette, c'est n'avoir pas agi. Quand il le fallait, bon, je sais pas, c'est pas quand il le fallait, mais avant, mais décider de dire voilà, j'y vais sans me poser beaucoup de questions et passer à l'action. Voilà, moi, et ça te fait quoi quand tu vois ton fils? Quand je vois mon fils, c'est l'amour incarné, le bonheur même en personne. Mmh. Alors, si tu m'en parles un peu de ton téléphone, Voldy ne répond jamais à quel genre de message? Je réponds pas aux menaces. Mmh. Je ne réponds jamais aux injures. Mmh. Vraiment, c'est des genres de messages auxquels je ne réponds jamais. Et est-ce qu'on peut avoir une idée si les gens qui ont le nom de Voldy, et Voldy a en numéro, mais vous ne vous parlez jamais? En tout cas, il y en a. Hein. Mais je dirais... et du coup, là, c'est comme si je les avais oubliés. Quoi. Mmh. Oui, il y en a. Ouais. Et c'est un nombre... J'ai plus de 2000 correspondants. Et donc... C'est pas évident d'avoir tous ces messages, et même moi-même, je me dis, ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Voilà, et c'est quoi le défaut de Voldy qui ne veut pas changer pour le moment? Il veut rester avec ça. Un défaut que je ne veux pas changer, c'est ce que je crois trop en moi. Je suis vraiment confiante. À un moment, ouais, c'est une qualité parfois, mais à un moment, c'est vraiment là, tu te dis, waouh, je crois tellement en moi que je... Ah, parfois, tu te crois invincible ou quoi. Ouais. Mais je ne voudrais pas changer. Il me faut d'abord réaliser certaines choses avant de pouvoir peut-être corriger un peu. Mmh, voilà. Mais je crois trop en moi. Et du coup, je voulais savoir également, est-ce qu'il y a certaines personnes qui connaissent les mots de passe de ton portable? Sûrement, hein. Moi, je crois. Hein. Il y a mon fils qui connaît, même quand je change 10 000 fois, il sait toujours, il dit, il suffit que je clique une fois où il est, il dit, bon, moi, je connais déjà. Et à part lui? À part lui, il y a quelqu'un en particulier qui connaît aussi. Et je ne sais pas trop, il pourrait y avoir aussi des gens qui connaissent et que moi je connais. Mais je crois qu'il y a deux personnes importantes qui connaissent voilà. Le mot et, si du moins Voldy devient un garçon pendant 24 heures, quelles sont les deux premières choses que tu peux commencer à faire? Si je deviens garçon pendant 24 heures, les deux premières choses que je dois commencer à faire. Ouais. Que je ne fais pas en tant que fille. Mmh. Mais déjà, moi, je crois... Bon, moi, je vais pisser debout. Hein. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Ouais. Je vais essayer, puisque je me marre parfois à le faire. Et puis, j'en ai partout, là. Ouais. Et donc, ça, j'aurais facilité à le faire. Et puis, après... ouais, cette voix-là, parler. J'aimerais parler à chaque instant. Bah, on se concentre quand je suis garçon, moi. Ah, on se cherche aussi à draguer, hein, pour des sortes de filles. Bon, ça passe dans ça. Le charme et tout. Et des hommes, voilà.
les gars le plus charmant. Quoi. Ah d'accord. Alors vite fait, on va faire une petite rubrique qui s'appelle Juste un. Voilà, juste un. Voilà, donc tu vas juste prendre une seule chose. Je t'ai proposé certaines choses, tu vas juste choisir une seule chose. Premièrement, un amour, c'est pas si tu préfères la vérité qui te blesse ou soit le mensonge qui te plaît. La vérité qui me blesse. Ça te va? Ouais, ça me va. Non, d'accord. Je survivrai. Voilà, et soit la deuxième chose, tu préfères faire 2 ans de succès et d'argent et mourir pauvre, soit passer les 2 dernières années de sa vie en étant riche, voilà. 2 ans de ma vie? Les 2 dernières années en étant si riche, ou soit passer juste 2 ans en étant riche et puis mourir pauvre. Ah, les 2 ans étant riche, hein, ça m'ira à mourir heureuse. Ah, d'accord. Ça me ferait plaisir. Et voilà, du coup, je voulais savoir, un garçon analphabète, pauvre, ouais, riche, ou ça, t'es un intellectuel pauvre. Tu prends qui parmi les deux? Ça me tente un peu, l'alphabète riche. L'analphabète, hein. L'analphabète, d'accord. Bon, avec les bonnes manières et tout, d'accord. Ça va. Et virginité avant 20 ans ou après 20 ans? Avant, ça va. Avant. C'est... Et pour le garçon, chasteté avant ou après? Ah! Si tu pourrais conseiller ton fils. Et s'il doit garder jusqu'à 20 ans? 20 ans ou soit... Avoir 20 ans, il doit... Bon, 20 ans, déjà, allez, qu'il apprenne la vie, quoi. Juste après 20 ans. D'accord. Ou juste 20 ans et puis on verra. Ah, ça va. Alors, finissons avec cette petite rubrique qui s'appelle les 3 premières idées de Vodi. D'accord? Ok. Voilà, je voulais savoir déjà, quels sont les 3 premiers noms de garçons qui te viennent en tête tout à l'heure là? Il y a Julien, Scott, Alain. Voilà. Et les 3 artistes qui dominent ta playlist? Ça compte pas, et de n'importe où? Ouais, ouais. Ok. Justin Timberlake, Zaz, c'est une chanteuse française, et je dirais Maria Carey. D'accord. Et les 3 villes où tu te sens vraiment à l'aise? 3 villes. Je me sens bien à Goma, ça c'est vrai. Bujumbura. Et je crois que je me sentirai bien à Zanzibar parce que je prévois mes vacances là, la semaine prochaine. Ah d'accord. Et les 3 marques de téléphone qui te plaît bien? Oppo, c'est la première. Je dirais Samsung aussi. Et Tecno. Ok. Et aussi, les 3 qualités de Voldy? Les 3 qualités de Voldy. Persévérante. Optimiste. Bienveillante, je sais pas. D'accord. Et 3 mots pour décrire ton fils? 3 mots pour décrire mon fils. L'amour pire, je dirais. Le bonheur. Ma vie. D'accord. Et 3 surnoms de Voldy? 3 surnoms de Voldy. La trompette des Grands Lacs. On m'appelle la Diva. Et aussi... Wigo. Ah oui. Ouais, il y a ce qui m'appelle Wigo. D'accord. Et 3 sports préférés? Bon, j'aime bien les volleyball, les foot, ça me tente, et basket. Moi, Et 3 choses que tu fais à part la musique? 3 choses que je fais. Je fais la peinture. Bon, je fais la peinture comme ça. Je danse. Je commençais. Ouais. Et j'écris. Non, d'accord. Et puis pour finir, 3 messages pour tes fans. 3 messages comme ça. À tous mes fans, je dirais d'abord, je vous aime énormément. C'est ça, un. Ouais. Merci pour tout. Et attendez 9 qui vous arrive bientôt. Vous allez aimer et kiffer. Ça, et voilà. Voilà, je vous rappelle déjà que l'album, les maxi singles de Voldy, le premier maxi single de Voldy va déjà sortir ce 31 décembre. Je vous invite juste à vous abonner, à suivre Voldy sur Instagram, c'est Voldy Mapenzi. Ouais, Instagram c'est Voldy Mapenzi, Facebook c'est Voldy Mapenzi. Ouais. Et ma chaîne YouTube c'est Voldy Mapenzi Official. Donc en anglais juste, même quand vous cliquez Voldy Mapenzi. Donc abonnez-vous, soyez là, attendez cette grande bombe qui vous arrive. C'est vraiment une œuvre faite avec le
cœur et je crois que vous allez kiffer, vous allez, chaque personne va se retrouver. Mmh. Et donc on se retrouve le 31 décembre, c'est les rendez-vous à ne pas manquer. Beaucoup de gens ont envie de voir la chorégraphie de Matata, mais c'est bon, je pense qu'on va tout voir sur, dans la vidéo de Matata. Bon, je ne sais pas si j'en ai vraiment envie, moi je pourrais essayer. Matata n'est pas encore sorti, mais il y a eu quelques extraits, on a même fini de tourner. On a même fini de tourner les clips danse, donc la version danse de Matata. D'accord. Et du coup, on est en train d'apprendre. Il y aura sûrement. Ouais, toi, tu seras peut-être les premiers qui attendra la Corée. D'accord. Donc, genre, moi, si j'ai appris hein, avec les street dancers, c'est juste. Et là, tu chantes ou quoi? Non, bon, et Matata, c'est genre 1, 2, 3, go. Matata, Beto Berikoua, Matata, Matata. Matata. C'est simple, vraiment. Je peux essayer. Aïe, aïe, aïe. On part comment déjà? Je ne sais pas si. Ouais, ok, on part. 1. Ah, je suis nul. Donc, 2. Deux. Ah non, c'est bon pour le dire. Je te remercie de te dire. Merci à toi, merci, c'était un réel plaisir. Super quoi, merci d'accord. de m'avoir invité, voilà, merci et voilà. à tout le monde. Donc, c'était un grand plaisir de passer ce petit moment avec Voldy Mapenzi. On était dans Instant Ça sur Instastar, bien sûr, sur Afro Congo TV. Abonnez-vous toujours sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre Instagram Afro Congo Média. Merci à la maison Diamant Noir Design pour les belles images et voilà pour la belle réalisation. Et j'étais Calvin Mulungu, on se retrouve prochainement avec un nouvel artiste.